put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Shaker, yeah, she was a ball shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Don't you fuck my wife when you step me in the back. Okay, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. C'est quoi la question, comment reprendre? Comment reprendre après un arrêt des pieds du Non, c'était pas ça. Après un arrêt de musculation. Ok, donc comment reprendre après un arrêt de musculation? Là, toutes les salles ont été fermées en France. Donc c'est le moment d'aider la communauté avec deux coachs, rien que pour vous. Exactement. Disponible sur www.fitnessfusion.fr. Il y a juste à remonter. La vidéo, elle va foirer. Les gars, s'il y a du bruit en haut, il y a des animaux qui sont en train de s'entraîner. Tu jures, c'est Bastos, non? Ça, c'est Bastos, c'est sûr, et que lui. Donc comment reprendre après un arrêt? Imagine, il y a eu le Covid, ma salle elle a fermé pendant 6 mois. 6 mois, c'est ça. Et ils ont accusé. Jamais on aurait cru que ça allait durer aussi longtemps. Tu fais quoi pour reprendre? Première chose, déjà, tu conseillerais quoi aux gens? Déjà, le premier truc que je dirais, c'est pas reprendre sur le programme que tu utilisais avant l'arrêt. Ouais. C'est la base des bases. Qu'est-ce que tu conseillerais comme programme pour reprendre? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Je vais en donner une. Dans un premier temps, c'est de repartir sur une fourchette de répétitions plus longue pour se réhabituer au mouvement. Donc, en général, les gens ont l'habitude de s'entraîner entre 8 et 12 reps. Donc là, de mettre 20 répétitions sur tous les exercices pour s'habituer au mouvement. Ça peut être pas mal. Et pour progresser musculairement, parce que même avec 20 reps, si vous êtes arrêté 6 mois, ça va durer. Ça va être dur, tu vas gagner en force, tu vas gagner en muscle. Donc ça peut être une bonne méthode. Les reprises en léger, 50% des pertes d'avant. C'est déjà très bien. T'étais à 100, tu passes à 50 séries. C'est calme. Il fait des repos ou pas? On dirait qu'il fait que des séries, frère. Non, mais ils sont 20 ans. Mais ma mère. Les salles, elles ont fermé. Là. C'est mais ils sont tous faits parce qu'ils ont pas les 50 ans là. Non, mais ils ont tous eu des certificats médicaux sur tout. Ma mère. Donc voilà, vous n'êtes aussi pas obligé de reprendre sur un split. Donc ne prenez pas le programme que vous faisiez avant d'arrêter. Vaut mieux s'économiser, en garder un peu sur pied lorsque vous redémarrez. Donc en faire peu lorsque vous démarrez pour relancer la machine. Donc 3 séances dans la semaine au lieu de 6 habituelles peut-être. Et ça va laisser à votre corps le temps de reprendre tranquillement. 3 séances semaine, full body. D'accord, 3 séances semaine, full body, on s'organise comme on peut. Parce qu'en fait, si vous donnez tout d'un coup à votre corps, vous allez vite être frustré parce que la stagnation elle va arriver directement et puis vous allez vouloir faire des perfs et vous allez voir que vous allez pas les faire et là c'est le côté psychologique, c'est très compliqué qui va rentrer en jeu parce que vous allez être frustré, vous allez sortir de vos séances, vous allez être dégoûté et vous allez pas vouloir revenir. Si vous reprenez, l'habitude d'aller à la salle déjà elle est plus là. Donc faut recréer ça, donc faut se mettre en réussite, faut se mettre dans des bonnes conditions, pouvoir enchaîner les séances et en rajouter de plus en plus. Sachant que si tu repars sur une fourchette de 20 reps léger, tu sais que tu as une belle marge de progression derrière. Donc forcément, ça va te motiver. Tu dis, la semaine prochaine, là, si tu as 50-20 reps, j'en ferai à 60 ou 55. Tu sais que tu as une grosse marge si tu étais déjà à 100 avant. Et ça peut être cool. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de faire ça pendant 6 mois. Sinon, le but, c'est de faire de l'hypertrophie. Moi, je conseillerais ça de faire un mois, voire deux, si vraiment vous en ressentez le besoin. Mais à la suite de ça, repartir sur des programmes 8-12. 8-12, voilà, même faire quelques cycles de force, ce sera parfait. Quand tu vas reprendre, forcément, tu vas reprendre un programme pour adapter. Qu'est-ce qui suit avec un programme de musculation? La diète. Bien sûr. Déjà, aller à la salle, ça va vous motiver à bien manger. C'est vrai. Moi, en général, si je m'entraîne pas très bien, ou je fais de la pas du tout, je sais que la combinaison, ça ne suit pas. Le premier pas, aller en salle, vous l'avez fait, vous faites vos 20 répétitions. Ensuite, en cuisine, chose simple, les gars, je ne sais pas à calculer vos macros, à calculer votre taux de protéines. Pourquoi manger sainement? Voilà, 3 repas bien équilibrés, glucides, protéines, lipides, et ça sera carré. Par la suite, au bout d'un mois, là, vous pouvez commencer à faire un bon plan alimentaire. Ou aller sur www.fitnessfusion et choper un plan alimentaire. Voilà. Et dernier point, je pense, un des plus importants, ça va être la récupération, bien dormir. Parce que souvent, quand on est chez nous, on finit à rien foutre, on va commencer à se coucher à 3-4 heures. Je sais qu'il y en a qui ont abusé, là, ils étaient tous sur les lives de Marvel. Lui, il est en aide jusqu'à 6 heures du matin. Qu'ils ont une vie ou pas, il fait des lives jusqu'à 6 heures du matin. Donc, remettez-vous bien au niveau du sommeil, c'est super important. Bien le sommeil, voilà, c'est carré. Et normalement, je pense, 3-4 mois mémoire musculaire, t'as récupéré ton niveau logiquement. Ouais. Les choses. Donc, toi, quand tu t'es arrêté, t'as fallu combien de temps? On va faire cas par au niveau musculairement parlant. Si tu t'arrêtes par exemple pendant 2 mois, voire 3, il faut combien de temps pour récupérer? En faisant les choses vraiment bien, en général, il me faut entre 2 et 3 mois. Mais ça fait 5 ans que je m'entraîne. Voilà. Après, ça dépend du temps depuis que tu t'entraînes. Il faut connaître ton corps aussi.
moi, au bout d'un mois, les choses, elles sont déjà beaucoup mieux. Au bout de deux, je joue très bien. Et au bout de trois, ça y est, je suis parti dans ma lancée. C'est ça. Donc, ça revient très vite, les gars, mais faire les choses sérieusement dès le départ. Et n'en mettez pas trop d'un coup. Allez-y, progressivement, la musculation c'est un sport de... C'est un sprint, c'est une course de fond. Voilà, sur le long terme. Ne vous dites pas que dans deux semaines vous allez retrouver vos pères. Vous voyez un peu plus loin, dans 2-3 mois. Moi quand je m'arrête, je reprends, je me dis dans 2-3 mois, il faut que je refasse les perfs que je faisais avant. Désolé pour le bruit, je vous répète, les animaux. Voilà, il y a le Covid, c'est leur seule sortie de la journée, donc là ils sont en train de tout. Ils donnent tout. Quoique lorsque la vidéo live va sortir, le Covid ça sera peut-être terminé. Faut voir. Parce que si on a repris les vidéos... Mais là, en attendant, vous voyez comment ça s'est passé hein, durant la période des salles confinées. Que des barbares. Que des animaux. Bon, bah c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio Force FF.